faire pour la Suède. Avec un gros gros bateau. Dans ce bateau. Arrivé à Göteborg, le soleil brille. Incroyable l'entrée dans le port, un archipel de cailloux. Et ici, là, ça fait du bruit, ça sent pas bon, le gasoil. Alors, il y avait un cycliste dans le bateau. Il est 11h20, on a pris le bateau à 8h ce matin, donc 3h20 de traversée du Danemark à la Suède. Oh là là, s'il pouvait faire beau, qu'est-ce que ça serait bien! Et il y a même une piste cyclable dans le port. On est à Göteborg, en pleine ville. C'est la Suède ici. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'espaces verts. Il fait 19 degrés. On respire. C'est incroyable. Il faisait 10 degrés ce matin à Frederikshavn, au Danemark. Et là, c'est grand soleil, ciel bleu, pas de nuages, et une température qui nous fait du bien. Bon alors là, c'est les Champs-Élysées, il paraît, de Göteborg. Architecture typique suédoise.
Bon, il y a du monde, hein, c'est une grande ville. Ça nous fait un peu tout drôle. On n'était plus habitué à tant de monde. Je sais pas où est la piste cyclable. Si, là. Bon, il nous faut une banque, un ATM. Parce qu'on n'a pas de sous suédois. Ici, donc, c'est pas l'euro, bien que ce soit l'Europe. C'est les couronnes suédoises. Bon, bah, les Champs-Élysées, comme il disait dans le guide, c'est pas si top, hein. À Göteborg, c'est bucolique. Et il y a même des canaux. Bon, c'est pas Venise, hein, mais... C'est quand même des canaux. Déjà, il y a un grand canal. Et là, nous sommes à la recherche des petits canaux. On en profite pour regarder l'architecture suédoise, parfois un peu lourde. Alors, autant tout à l'heure on était dans le cendre, c'était bruyant. Et là, tout d'un coup, c'est la tranquillité, plus de bruit. Et pourtant, c'est à 2 minutes, hein.